Yo, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais à travers cette vidéo m'excuser pour les erreurs que j'ai dit sur la vidéo précédente. Voilà, l'erreur est humaine, j'étais fatigué, on prenait l'avion quelques heures après. C'est vrai qu'on a sorti d'ailleurs beaucoup de vidéos, les gens se sont plaints, mais avec Lady on savait vraiment pas combien de vidéos on allait sortir ce soir-là. On était parti pour sortir une ou deux vidéos au grand max. Et en fait on s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de montage. On avait 2-3 heures devant nous, pas plus, c'est pour ça que vous avez vu beaucoup de vidéos. Et d'ailleurs, on s'en excuse pour ceux à qui ça a déplu. Donc voilà, je voulais simplement revenir sur l'amélioration des armes lors du prochain DLC. Donc vous pourrez bien entendu améliorer toutes les armes légendaires et exotiques que vous possédez déjà. Donc là, à l'écran, vous voyez les améliorations pour la grande faucheuse. Ça vous coûtera 750 lumens, 20 fleurs spirituelles et une lumière éthérique. Alors comment looter les lumières éthériques? Vous pourrez tout simplement les looter en bannière de fer, en nuit noire, pendant l'événement d'Osiris ou encore pendant donc en PVP ou sûrement dans la prison des vétérans. Voilà, je m'excuse encore une fois pour les erreurs que j'ai dit dans la dernière vidéo. Voilà, l'erreur est humaine. J'ai eu certains commentaires qui étaient peut-être même trop abusés. Enfin voilà, c'est vrai qu'on est juste des êtres humains, l'erreur est humaine. Enfin voilà, je voulais encore m'excuser à travers cette vidéo. Et sachez que voilà, il y a plein d'autres informations qui vont venir de toute façon. Voilà, restez connectés, il n'y a pas de problème les potes. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut et à bientôt. Tchuss!